aujourd'hui, c'est la première manifestation d'une journée mini audacieuse qui a pour cible tous les enfants des crèches et des petites sections de maternelle. Donc on a voulu cette journée festive mais aussi sportive, hein. C'est la découverte d'activités qui sont d'habitude réservées aux plus grands et beaucoup d'adultes participent à l'audacieuse sur la ville d'Hérouville. Donc c'est l'occasion de rassembler les professionnels de la petite enfance, les services de la ville, du sport, de l'animation. Et donc c'est une construction collective autour de l'activité des plus petits et qui découvrent parfois le site de Beauregard, hein, s'ils n'ont pas eu l'occasion de le voir pendant les escales estivales. La deuxième édition est d'ores et déjà un projet qui verra le jour parce que tout le monde est ravi. Il y a 400 enfants sur site qui font 200 mètres de parcours. Le parcours a été pensé pour qu'il soit accessible aux tout-petits. Tous les enfants repartent avec une médaille, les professionnels les encadrent, les parents sont venus encourager leurs enfants et accompagner les groupes. La logistique a été encadrée par les services de la ville. Donc voilà, moi, en tant qu'élue à la petite enfance, c'est vraiment une journée fantastique. Pratiquer un petit peu des activités sportives dans un magnifique cadre avec toutes ces sensations au niveau de la paille, au niveau du bois, au niveau du sable. Et ça pour qu'ils puissent bien sûr faire des travaux sur leur motricité. Donc j'espère que tous les participants ont pu s'éclater, si vous me permettez l'expression, et je pense que cet événement-là sera de nouveau là l'année prochaine. Hérouville, cité éducative, et tout se joue dès la petite enfance.